E passerei adesso la parola a Margot, giovane attivista della Nuit Debout appunto in Francia, questa occupazione di Place de la République che a seguito del susseguirsi delle prime manifestazioni a marzo contro la riforma del lavoro ha deciso di rimanere tutti in piedi, Debout significa in piedi, in piazza, di occuparla durante la notte e di creare, diciamo, un nuovo momento di socialità. E Sì, ricordo infatti che questo ovviamente. movimento di Nuit Debout è nato a Place de la République, che era diventato, diciamo, il luogo simbolo degli attentati che c'erano stati in Francia nell'ultimo anno. Questo movimento è riuscito a dare un altro significato alla piazza ed è riuscito a creare un nuovo tipo di legame sociale. Ecco, quindi ora a Margot vorrei chiedere come è nato effettivamente questo movimento e come poi si è interconnesso Nuit Debout con tutti gli altri movimenti che ci sono stati in Francia, come quello dal punto di vista lavorativo che ci descriveva adesso Irene. Ok. La première chose à dire peut-être, c'est que je vais essayer d'être synthétique et claire, mais que c'est extrêmement difficile de retranscrire de manière rapide ce que ça a été ce mouvement, parce qu'il y a une telle complexité et énormément de dynamique que je vais avoir du mal à retranscrire, mais je vais essayer de le faire efficacement. Allora, un punto fondamentale da tenere in considerazione è che, nonostante la necessità di essere sintetici e chiari per lei adesso, sarà difficile riassumere un movimento che è estremamente complesso da raccontare e da descrivere, quindi questa è una cosa su cui Margot vuole mettere sicuramente l'accento. Donc, comme me disait la copine, effectivement, ce mouvement d'occupation de la place, il a été initié notamment par un journal, on va dire, de gauche qui s'appelle Fakir en France, et donc qui est un journal plutôt ouvriériste avec des liens avec certains partis politiques de gauche, et qui a proposé, en amont de la manifestation du 31, de rester sur la place et d'occuper la place pendant une journée pour amplifier le mouvement. Allora, il movimento di per sé è iniziato dalla proposta di un giornale piuttosto a sinistra all'interno della realtà francese, che ha legame con alcuni dei partiti molto a sinistra dello spettro politico francese, e questo giornale ha proposto ha lanciato l'iniziativa di occupare la piazza della République per la notte del 31 marzo, alla fine della manifestazione. Donc, à partir de là, il y a eu une occupation de la place qui s'est faite le 31, qui a été négociée avec la ville de Paris pour avoir la place, avec la mairie, et qui a eu un énorme succès. Et donc, il y a plusieurs milliers de personnes qui sont venues à Paris après la manifestation, sous le mot d'ordre qui était la convergence des luttes contre la loi travail et son monde. E dunque da questo appello che ha lanciato questo giornale è partita l'occupazione della piazza, che è stata negoziata comunque con il comune della città con la città di Parigi, che ha avuto un enorme successo. Migliaia di persone si sono radunate sulla piazza sotto la parola d'ordine della convergenza delle lotte e del rifiuto del mondo che viene con la legge El Khomri. Donc à travers et ce monde, il y avait à la fois des revendications très diverses qui s'exprimaient, à la fois des revendications anticapitalistes, des revendications antisexistes, des revendications par rapport à la question des réfugiés, par rapport aux droits, donc énormément de revendications différentes, ou en tout cas de luttes différentes qui se sont agrégées sous ce mot d'ordre et qui se sont exprimées un petit peu tout en même temps. E dunque, questa parte dello slogan che ritorna, che dice rifiutiamo la legge El Khomri e il suo mondo, indica una serie molto eterogenea di lotte, di rivendicazioni che si sono accumulate sulla piazza, che sono delle rivendicazioni anticapitaliste, antisessiste, delle rivendicazioni che intersecano le lotte dei rifugiati. Quindi delle lotte di diverso tipo che si sono tutte aggregate su questa piazza che è estremamente eterogenea. Sur la forme qu'a pris l'occupation de la place de la République, il y a eu ce soir-là et les soirs suivants une assemblée générale populaire
où en fait les gens venaient s'exprimer les uns après les autres sur leurs sentiments par rapport au mouvement et sur les luttes qu'ils pouvaient mener soit dans leur secteur de travail, soit en tant qu'étudiant, soit au niveau des luttes féministes, soit au niveau des luttes de migrants. Et la forma che ha preso questa piazza all'inizio è stata quella di sviluppare un'assemblea generale popolare dove la gente veniva e viene ancora ad esprimersi, a esprimere i propri sentimenti rispetto a questo movimento e rispetto alle diverse lotte che ogni soggetto portava su questa piazza e che si potevano quindi incastrare e sviluppare a partire da questa convergenza. Et ce qui est peut-être intéressant, c'est qu'en fait, effectivement, à la base, cette occupation était prévue pour durer une nuit et qu'en fait, il y a eu une sorte de débordement, c'est-à-dire que les gens avaient la volonté de continuer d'occuper cette place et que très très vite, tous les gens qui étaient venus un petit peu sur la place après la manifestation ont exprimé la volonté de rester occuper la place et de s'auto-organiser hors des partis politiques, hors des syndicats et hors des formes institutionnelles de la mobilisation. E quello che è stato estremamente interessante di questa situazione è che alla base questa occupazione era partita per durare una notte, ma di fatto quello che poi c'è stato è stato un débordement, quindi uno strabordare delle intenzioni iniziali e una chiara espressione della piazza di continuare a essere occupata e di autogestirsi al di fuori di logiche di partito, logiche sindacali, logiche istituzionali già conosciute o praticate. Donc sur les formes qu'a pris en fait cette auto-organisation du mouvement, c'est-à-dire que ça s'est organisé autour de commissions qui étaient constituées par tous les gens qui venaient sur la place un petit peu par hasard et qui souhaitaient s'agréger autour de projets communs avec trois types de commissions différents. E nella pratica l'organizzazione di questa piazza è venuta attorno alla formazione di differenti commissioni che sono state create da persone che si trovavano sulla piazza e che hanno proposto di ritrovarsi, diciamo, in gruppi per parlare e all'inizio prendevano tre forme principali. Donc au niveau des trois types de commissions, il y avait des commissions qu'on disait commissions structurelles, qui étaient chargées d'organiser les assemblées le soir sur la place qui avait lieu tous les soirs, qui étaient chargées d'organiser une cantine, qui étaient chargées de mettre en place les stands sur la place. Un primo gruppo di queste commissioni sono state quelle strutturali che quindi sono occupate di organizzare, di coordinare l'assemblea generale che c'è ogni sera nella piazza, si sono occupati di organizzare la mensa che è sempre presente e sulla piazza sempre e delle commissioni come quella della logistica, quindi si occupa di avere del materiale che può servire a nuove commissioni che eventualmente poi si creano, come dei cartelli dove scrivere il nome della commissione, dei materiali di vario tipo, eccetera. Ensuite, il y avait des commissions qu'on disait plutôt commissions thématiques et qui étaient chargées d'organiser des débats sur la place, que ce soit la commission économie politique ou la commission climat, la commission féministe, sachant que ce n'était pas uniquement des commissions qui organisaient des débats, mais que ça débouchait aussi sur des actions ciblées en rapport avec ces luttes spécifiques. Ci sono state poi organizzate da subito delle commissioni tematiche che si sono occupate piuttosto di organizzare dei dibattiti su dei contenuti precisi o su degli assi come la questione economica, la questione della democrazia, la questione femminista, eccetera. E il fatto è che queste commissioni non si sono basate unicamente sul dibattito, ma si sono preoccupate di articolare delle azioni di organizzare delle azioni da mettere da attuare. Et après, le troisième type de commission, c'était des commissions qui étaient plutôt liées à l'action. Et donc là, il y avait des commissions à la fois qui étaient plutôt sur une optique de faire des actions à la fois ludiques et médiatiques pour populariser le mouvement, et des commissions dont celle dont je faisais partie, qui s'appelait Grève Générale, qui étaient plutôt sur des types d'actions liées au soutien aux grévistes. On en reparlera parce qu'en fait, c'est extrêmement difficile de faire grève en France aujourd'hui.
et donc sur des perspectives de blocage économique. E terzo tipo di commissioni sono state le commissioni legate propriamente alle azioni azioni piuttosto mediatiche e ludiche per promuovere il movimento, cercare di aggregare altra gente e poi commissioni più concentrate su, come per esempio la commissione grafica generale di cui Margot fa parte, pensare a forme di azione che possano effettivamente intersecare le lotte le lotte dei lavoratori in sciopero, cosa che è stata ed è estremamente complicata precisamente per la situazione in cui versa la Francia adesso. Sachant que voilà, là je brosse un panorama assez grossier de l'organisation sur la place de République. Il y avait une soixantaine de commissions qui existaient, qui étaient plus ou moins actives, mais que c'était un énorme bazar à la base. Faut quand même sì. E la questione è che sì, questa panoramica è molto grossolana perché ci sono quasi una sessantina di commissioni sulla piazza che si sono formate e e quindi la piazza effettivamente è stata una piazza molto forte e che va al di là di questa descrizione limitante che Margot ha potuto dare. Voilà. Et donc ce qui se passait c'est que l'après-midi les commissions se réunissaient sur la place et que tous les soirs donc depuis plusieurs mois, il y a une assemblée générale populaire qui vient se réunir sur la place et qui en fait donne la parole à la fois aux commissions et aux personnes pour exprimer à la fois des réalités de lutte locale, le travail des commissions et donner une libre expression aux gens qui viennent sur la place. E di conseguenza la dinamica è quella di avere le commissioni che si ritrovano il pomeriggio per discutere e che poi presentano le proposte all'Assemblea Generale la sera in cui intervengono sia rappresentanti delle diverse rappresentanti tra virgolette delle diverse commissioni, sia poi persone, individui singoli che intervengono per se stessi all'assemblea. Alors, ce qui est assez complexe à retranscrire dans ce mouvement, c'est qu'en fait, il dure depuis plusieurs mois et qu'effectivement, il y a eu des dynamiques assez intéressantes qui ont été liées à des en tout cas des tensions internes ou en tout cas des contradictions internes qu'on avait dans le mouvement Nuit Debout et qui ont débouché, enfin qui se sont exprimées à la fois sur des problèmes d'organisation concrète, par exemple le fait qu'il y ait la police extrêmement présente sur la place, ce qui a donné lieu à des débats sur la question de la violence qui revenait incessamment dans les AG, ou que ce soit sur des choses plus lié à la manière dont le mouvement choisissait de s'auto-organiser en termes de faire le choix d'avoir des assemblées générales qui étaient décisionnelles ou pas. E quello che è complesso da raccontare, ma che è la dinamica tra le dinamiche che si sono incatenate sulla piazza. E che è interessante tenere in considerazione il fatto che la piazza è stata dovuta portarsi a esprimere su dei problemi concreti, come per esempio la costante presenza delle forze dell'ordine sulla piazza e nelle manifestazioni, che poneva il problema di come e se il movimento doveva assumersi delle posizioni in merito e come e i dibattiti e le tensioni presenti sulla piazza, che mostrano le diverse anime della piazza, hanno avuto a che fare chiaramente anche con come la piazza si deve autogestire, e quindi tutto questo è abbastanza complesso da riportare. E une des autres sources en tout cas de débat qu'il y a eu sur la place, c'était le lien qu'il fallait avoir entre les Nuits Debout et les autres composantes du mouvement social, que ce soit les syndicats, que ce soit le mouvement, les composantes plus autonomes du mouvement qui n'étaient pas tellement présentes sur la place. Ou encore la question du lien avec les étudiants, etc., qui n'a pas tellement donné lieu à des débats, mais qui de fait n'était pas présent sur la place. Et donc il a fallu aussi mener une réflexion interne dans Nuit Debout sur quel type de lien on devait entretenir avec les autres composantes du mouvement social, puisque Nuit Debout en est une, mais elle n'est pas la seule. Quindi
una cosa complessa da capire è stata quale legame poteva esistere tra la Nuit Debout e tutte le altre componenti del movimento sociale, che chiaramente non si esaurisce minimamente su Nuit Debout, e che va dai sindacati agli studenti che erano meno presenti sulla piazza, ai diversi gruppi e collettivi più autonomi, e comprendere per l'appunto quali potessero essere le convergenze o i legami che si potevano stabilire tra queste diverse anime del movimento sociale francese. E là c'est peut-être aussi une contradiction, enfin en tout cas un élément intéressant de ce qui s'est passé en France, c'est-à-dire dans une première phase du mouvement, comme la copine l'a dit avant, il y avait tout ce mouvement des précaires, des chômeurs, des étudiants qui se sont mobilisés en dehors des syndicats, et que du coup les syndicats ont été un petit peu forcés de suivre le mouvement en appelant à des manifestations et en tout cas en organisant les manifestations au niveau national, et que dans une deuxième phase, il y a eu une mobilisation des différents syndicats en France, que ce soit les syndicats majoritaires comme la CGT, ou de syndicats qui sont plutôt minoritaires, ou en tout cas majoritaires uniquement dans certains secteurs comme les cheminots ou comme d'autres secteurs de l'économie, qui ont décidé de rentrer dans la grève et d'appeler à des formes de grève reconductibles. Et ça, ça a marqué une deuxième phase dans le mouvement. E dunque un elemento interessante del funzionamento della piazza del movimento più che della piazza è stato che in un primo momento, come si spiegava prima, il movimento stesso è partito dall'organizzazione di precari, di studenti, cioè, che sono poi stati seguiti dai sindacati, quindi gente che non era legata ai sindacati. Nella seconda fase della mobilitazione, invece, diversi sindacati di Francia, maggioritari o minoritari, cioè presenti in settori specifici dell'economia francese, si è posto il problema di come interagire con queste realtà, per l'appunto. E du coup, effectivement, cette question du lien avec les syndicats, elle a été très très complexe en France, parce qu'il y a aussi une méconnaissance de la réalité de ce qu'est la lutte syndicale dans les entreprises, et des conditions de travail concrètes pour la plupart des employés, qu'ils soient fonctionnaires ou qu'ils soient travailleurs dans le privé, puisque en réalité c'est extrêmement difficile en France et de se mettre en grève et de mener des actions au niveau local. Et donc en fait il y avait une tension d'ennui debout entre un petit peu les gens qui avaient aussi cette méfiance assez souvent justifiée des grandes centrales syndicales nationales et la réalité du terrain de ce qu'était le travail des syndicalistes et de ce qu'étaient les revendications des gens en lutte au niveau local, qui en fait avaient besoin d'aide et avaient du mal à se mobiliser au niveau très très local. Et voilà. Ok, j'espère que j'arrive bien à traduire. Et au cas où tu t'ajoutes, moi j'ajoute. E quindi una problematica che il movimento e la piazza si sono trovate ad affrontare è stata una sorta di mancanza di riconoscimento delle condizioni lavorative, cioè delle realtà di terreno dei lavoratori e dei sindacati e di dove diversi sindacati si trovavano ad agire, e che rischiava di far perdere di vista la possibilità, cioè dove ci poteva essere bisogno di interagire per creare anche delle azioni efficaci che potessero essere intercettate e assunte dal movimento stesso. E du coup ce qui se passe depuis le dernier mois en tout cas, c'est que depuis que les syndicats ont appelé à la grève et au blocage de l'économie, il y a un petit peu un changement d'ennui debout, une mobilisation, des volontés de soutenir davantage et de créer des ponts avec les syndiqués de base, qui est un petit peu plus présente qu'au début où effectivement il y avait une énorme méfiance vis-à-vis du secteur syndical, et en même temps une volonté aussi de autogérer la lutte et d'organiser la lutte et le calendrier de la lutte indépendamment de ce que pouvaient dire les directions syndicales nationales.
Dunque, da quando i sindacati hanno chiamato effettivamente allo sciopero, c'è stato un cambiamento all'interno della Nuit Debout e delle forme del movimento, nel senso che ci si è posti effettivamente il problema di cosa significasse chiamare delle date indipendenti da quelle chiamate dai sindacati. E ci si è posti quindi il problema di capire come agire e con sindacati di base, con diverse organizzazioni che lavorano direttamente sul terreno. Et aussi peut-être pour finir là-dessus, en ce qui concerne la réalité la plus récente de Nuit Debout, il faut dire que effectivement depuis plusieurs semaines, l'Assemblée générale et la présence sur la place est de moins en moins, en tout cas massive, puisque d'une part, il y a eu beaucoup de soucis liés à la capacité à s'organiser efficacement, en tout cas au sein de Nuit Debout, beaucoup de débats. Qui revenait, une assemblée générale qui tournait un petit peu en rond autour des mêmes questions, mais qui en même temps exprimait la volonté de s'organiser. Et d'autre part aussi, je pense, une forme de fatigue, puisqu'on en parlera ensuite, mais avec le problème de la répression et le mouvement qui dure depuis plusieurs mois, c'est de plus en plus difficile de tenir la place, d'avoir ce travail de présence active sur la place pour mobiliser les gens. E quindi la realtà più recente della piazza e della Nuit Debout è che da qualche settimana l'AG e la presenza sulla piazza è diventata meno forte che all'inizio, quindi alla fine marzo, inizio aprile, per via di problemi organizzativi all'interno della Nuit Debout e le complessità legate alla volontà di organizzarsi e di coordinare l'auto-organizzazione che si è rivelato complesso e soprattutto per. In un certo senso il contraccolpo subito dalle forze, dai corpi, dalle forze presenti sulla piazza per via degli altissimi livelli di repressione che sta incontrando questo movimento sociale. Mais que pour autant, c'est pas du tout une forme d'essoufflement, je pense, du mouvement social, parce que à côté de ça, même si la place se vide un petit peu et qu'il y a de moins en moins de gens sur la place au quotidien, il y a une énorme volonté de s'organiser et une participation de plus en plus massive aux actions de blocage économique, par exemple, qu'on note depuis un mois. Sauf que l'organisation, en tout cas, je parle pour Paris, des gens qui venaient à Nuit Debout a aussi. Enfin, c'est aussi déplacé dans d'autres endroits et davantage en coordination avec d'autres composantes du mouvement social, c'est-à-dire les étudiants, des secteurs qui sont en grève, comme les cheminots, les postiers, les gens de la RATP, les hospitaliers, etc. Ou d'autres composantes en fait du mouvement social qui fonctionnaient de manière plus autonome et dans d'autres espaces. Et que depuis à peu près un mois, il y a davantage de liens et de ponts qui sont faits avec ces autres composantes du mouvement social. Et que ce qui est aussi intéressant, je pense, dans ce mouvement en France ou en tout cas sur Paris, c'est aussi une forme de plasticité et une forme de capacité à changer de lieu, à se réorganiser de manière différente. Peut-être qu'il faut souligner. Quindi la questione rispetto a quanto si diceva prima, cioè in un certo senso lo svuotamento della piazza e la complessità di seguire il movimento di seguire il movimento in questa situazione di repressione non implica una forma di svuotamento del movimento stesso. Poiché c'è, sì, Margot nota come c'è una fortissima volontà di organizzazione, un forte investimento che si è spostato in effetti in altre forme di coordinamento che si sono sviluppate nel frattempo, soprattutto nell'ultimo mese. E quindi le azioni si sono molto focalizzate in ambiti attraverso coordinamenti e assemblee diverse da quelle dell'AG che lavorano con componenti del movimento sociale, che funzionano in maniera autonoma in spazi che si sono sviluppati nel frattempo. E quindi è una cosa estremamente interessante valutare quanto plastico riesce ad essere questo movimento e come questa capacità di auto-organizzazione si stia effettivamente spostando su spazi ben precisi che intersecano fortemente la lotta di lavoratori, di precari, eccetera.